Bonjour à tous, c'est Chris de Dijon Danse, c'est moi qui m'occupe de la choré salsa pour le flash mob du 18 juillet. Donc rendez-vous tous place de la République à 14h. On enchaîne K-pop, reggaeton, salsa. Donc je vous fais un tutoriel hyper simple, accessible à tous, les jeunes, les moins jeunes. Petit tuto là qui arrive juste après cette vidéo de présentation, accessible à tous. Je veux tous voir réviser, vous faites un truc magnifique le 18 juillet. À vous de jouer. Donc on va enchaîner pour le tutoriel des mouvements de deux boucles à chaque fois. On va répéter à chaque fois deux mouvements identiques, identiques. Vous allez voir, on commence par un sous-IQ. Donc sous-IQ, semi-pointe, 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 semi-pointe. Je vais regarder, on pose, semi, semi-pose, semi, semi-pose. On va donc tous les faire deux fois de suite. C'est ça que ça va me faire. 1, 2, 3, on pose, 5, 6, 7, on pose. 1, 2, 3, on pose. 5, 6, 7, on pose. Deuxième mouvement, pareil, on va enchaîner deux fois. C'est un rumba croisé. Donc, déplace, surplace, croise. Déplace, surplace, croise. Qu'on va faire deux fois et qu'on va faire aussi avec le bras opposé. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, mais si vous pouvez, mettez le bras opposé au pied. Ça va me faire. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et donc, on va faire une fois de suite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On arrive croisé devant et on va faire ce qu'on appelle un punter à talon, point de talon. Pointe ici avec le genou qui part à l'intérieur, puis talon, genou qui part à l'extérieur. Je recommence. Donc 1, 2, je croise, je fais la même chose de l'autre côté. Intérieur, extérieur, croise. Et donc, comme les autres ont fait deux fois de suite, ça va me faire donc 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Pour enchaîner sur le mouvement suivant, qui est donc semi-pointe, croise, semi-pointe, croise, au niveau des temps. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc deux fois de suite, ça va me faire 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. On arrive, jambe droite devant dans le sol. On va partir sur un pas en rond et je vais glisser donc, pour poser nos pieds. Ça va me faire au niveau des temps. Et 1, pose, pose. Et 5, pose, pose. Je le refais en comptant. Et 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Deux fois de suite. Ce qui veut bien le faire, vous allez rajouter le bras opposé au pied. Ça va nous faire deux fois de suite. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Vous arrivez à la fin les jambes écartées, largeur du bassin. Pour faire ce qu'on appelle un 3x3, et c'est le dernier mouvement, et ensuite on va répéter la boucle. Donc le 3x3, semi-pointe, semi-pointe, pose dans le sol, je libère votre jambe qui est derrière. Semi-pointe, semi-pointe, pose. Et donc on le fait deux fois de suite, ça va me faire donc 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Là tout est terminé, on arrive ici comme ça, et on va recommencer avec le premier pas qui s'appelle le sous-IQ. Et donc on va faire plusieurs boucles comme ça, tout le temps de la musique, musique hyper dynamique, vous l'avez juste après en vidéo, on le fait en application plusieurs fois de suite. À vous de jouer, bonne révision.